Les amis, voici les clés d'un cabriolet qui risque de faire couler encore beaucoup d'encre. Je vous présente le nouveau Volkswagen T-Roc Cabriolet. Bon, au sommaire de cette vidéo, bien sûr, on va faire ensemble le tour extérieur et intérieur de ce joli et cool cabriolet. On va parler de tarification, ce qui n'est pas donné, hein, ce T-Roc cabriolet. On va parler aussi des concurrents, est-ce qu'il en a ou pas dans la catégorie. On fera bien sûr le point consommation. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai bien sûr le bilan complet, hein, de ce T-Roc cabriolet. Allez, c'est parti! Bon les amis, on va faire un petit test du 0 à 100, accrochez-vous bien, c'est parti. Voilà, bon c'était un peu laborieux, le moteur hurle dans les tours autour des 5000 tours minute. 0 à 100 en à peu près 9,6 secondes, c'est à peu près le même temps pour découvrir et décapoter en toute tranquillité. Et je vous rassure, l'objectif même de ce T-Roc cabriolet, c'est de cruiser cheveux au vent. Allez, c'est parti! Alors, vous avez sous les yeux un SUV, oui, cabriolet, ça peut choquer. Alors, c'est un scandale, un crime! Ou plutôt peut-être un truc osé, un truc assez fun. Ça, c'est sûr qu'en tout cas, le Volkswagen T-Roc cabriolet ne laisse pas indifférent. On va faire bien sûr ensemble le tour du propriétaire. Alors, il s'agit bien entendu d'un Volkswagen, d'accord, T-Roc, bien entendu, vous l'avez reconnu sur la face avant. Il s'agit du facelift, du restylage, avec un avant retravaillé, avec un bouclier aussi retravaillé. On est sur une finition Airline, donc une présentation plutôt sportive sous le capot. Vous avez un petit 4 cylindres qui développe 150 chevaux et 250 Nm de couple, ça on verra tout à l'heure. Et ici, on a des nouveaux feux IQ Light avec la particularité d'avoir ce petit bandeau lumineux qui est maintenant présent quasiment sur toute la gamme Volkswagen. Des jantes de série ici en 18 pouces, ok. Et puis la particularité, c'est d'avoir un cisaillé le toit, clairement, pour laisser apparaître, pour les plus mauvais d'entre nous, diront que c'est une baignoire à ciel ouvert. Voilà, la critique peut être facile, en tout cas, moi, je mets un point d'honneur, clairement, à Volkswagen, vous allez peut-être aussi me détester en disant ça, mais je trouve que c'est quand même aujourd'hui cool par rapport à ce qui se passe dans l'automobile, qu'un constructeur généraliste qui présente des modèles, on va dire, plutôt conventionnel aujourd'hui, se lâche encore une fois à découper le toit d'un T-Roc pour en faire un cabriolet. Petit clin d'œil à ces Golf 3, Golf 4 cabriolets. Il y a bon, hein, les puristes ne vont pas forcément apprécier. Alors il faut souligner quand même que ce petit SUV cabriolet fait 4m28 de long, d'accord. La ceinture de caisse est beaucoup plus haute qu'un T-Roc normal, et puis surtout le châssis a été modifié, retravaillé, et donc du coup forcément un peu plus lourd qu'un T-Roc classique, puisque celui-ci fait 1540 kg sur la balance. Alors, sur la partie arrière, c'est aussi une partie qui a changé, hein, dans ce facelift, puisqu'on a des nouveaux feux à l'arrière, avec une petite animation de nuit, hein, qui est plutôt sympathique, qui change un petit peu de ce qu'on peut voir. Pareil, le bouclier arrière a été légèrement modifié. On a bien entendu 4 fausses sorties d'échappement. Regardez, ce sont des fausses. Les vraies se situent quelque part ici, par là. On va parler du coffre, quelque chose d'important quand même pour un cabriolet. 280 litres de volume de chargement. Ici, on a aussi le pare-vent qui est plutôt pratique lorsque vous voulez rouler décapoté. Mais par contre, il faudra condamner les deux places à l'arrière. Il est lourd, j'ai réussi la première fois à fermer le coffre, c'est vrai qu'il est vraiment très lourd. Alors, ce qui est plutôt cool, c'est que ce cabriolet se décapote, ou recapote, je sais pas comment on dit, en 9 secondes. C'est plutôt rapide et efficace de manière électrique, pas comme sur une MX-5 où on le fait manuellement. De toute façon, ça serait compliqué de tirer la main jusqu'ici pour tirer la capote. Alors, en termes de motorisation, vous avez bien sûr en motorisation essence le 3 cylindres 110 chevaux, ça c'est plutôt intéressant si vous faites uniquement de la ville. Il sera un peu moins plaisant si vous faites beaucoup de routes et d'autoroutes.
bruyant et surtout il consomme un peu plus que ce 4 cylindres 150 chevaux qui est quand même beaucoup plus polyvalent dans son utilisation au global. Alors l'avantage d'avoir un SUV cabriolet, c'est que ça en fait finalement un véhicule très polyvalent. Même lorsque vous décapotez, vous pouvez franchir quelques passages plus ou moins sympathiques en SUV, c'est plutôt la classe. Il faut savoir que ce T-Roc n'est pas le premier à avoir découvert un SUV. Il y a eu aussi bien sûr le Range Rover Evoque qui a aussi découvert le haut, mais celui-ci est beaucoup plus cher. Alors j'ai oublié de vous faire le tour des options. Et le tour des options, ça va être rapide, hein. Je vous disais, il y a 1 700 € d'options. Il y a bien sûr la roue de secours à 120 €. Il y a le système audio Beats pour 645 €. La version capotée, en fait, en termes d'insonorisation, on le verra tout à l'heure sur la partie comportement routier et au volant. C'est pas vraiment top, mais ça, on est habitué sur un cabriolet. Et enfin, il y a cette fameuse peinture rouge roi et cette capote en tissu noir facturée 900 €. Il faut savoir que le T-Roc cabriolet est disponible à partir de 36 000 €. Hein. C'est 6 000 € de plus qu'un T-Roc classique. Dans cette version Airline, motorisation 2 litres, TSI 150 chevaux, on frise quasiment les 45 000 € avec à peu près 1 700 € d'options. Il faut savoir malheureusement que le T-Roc est malusé, et oui, de quelques milliers d'euros, ce qui porte la facture totale pour ce modèle que je suis en train de vous présenter à plus de 47 000 €. Ça commence à faire. Je vois déjà que vous vous excitez en commentaire. Ne vous affolez pas. On va prendre le volant juste après. Et puis en termes de concurrence, bah clairement, il n'y a plus de concurrents. Et les seules voitures cabriolets, ce sera la Mini cabriolet. Ce sera peut-être la Fiat 500 découvrable. Ce n'est pas un vrai cabriolet. On aura bien sûr la fameuse Mazda MX-5, mais seulement 2 places. On aura bien sûr le Range Rover Evoque cabriolet. Et puis, ça sera quasiment tout dans le secteur des voitures un peu compactes pour la ville en mode cabriolet. N'hésitez pas à compléter la liste s'il manque des modèles dans ce que je viens de vous lister en commentaire, bien sûr. Alors, à l'intérieur, écoutez, on a quand même une belle évolution à l'intérieur de ce nouveau T-Roc, vous vous en doutez. Volkswagen a corrigé le tir en termes de finition. On est sur des plastiques, cette fois-ci, moussés un peu partout, du plastique piano black. Alors, on aime ou on n'aime pas parce que ça prend la poussière et bien sûr les doigts. Mais c'est sûr qu'il y a vraiment un gap entre les premières générations de T-Roc et ce restyling. Pourquoi Volkswagen nous a pas sorti directement ce T-Roc avec cette finition? Écoutez, hein, ils ont le droit de faire des erreurs et c'est vrai que c'était une grosse erreur. Aujourd'hui, on a du simili cuir moussé ici dans les contreportes. On a du plastique. Et on a quand même du plastique ici. Plastique. Bon, vous êtes amis, fans de plastique dur, vous allez quand même aimer. Il y en a quelques-uns. Allez, trêve de plaisanterie. Finition quand même très sympathique et agréable au toucher sur cette Celery Airline entre Alcantara et tissu à l'intérieur. Alors, c'est vrai que c'est un peu austère quand même à l'intérieur. On retrouve ce fameux volant avec une épaisseur de jante assez agréable, avec un espèce de méplat. Agréable, oui, effectivement, ce volant en cuir, bien sûr. Le côté désagréable de la chose, et ça, c'est sur toutes les Volkswagen, même la Golf 8, vous avez ces pavés sensitifs qui, par moment, par erreur, vous pouvez activer peut-être le régulateur de vitesse, changer la radio, activer le volant chauffant. Bref, c'est vrai que je suis pas super fan de ça, mais ça, vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué. Le Digital Cockpit est cette fois-ci en 2 séries, hein, sur tous les T-Roc, ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Et puis là, ce compartiment où vous réglez la clim, les sièges chauffants, c'est obligatoire presque dans un cabriolet. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie aussi. Je l'ai déjà émis plusieurs fois, pas mal de critiques aussi sur la Polo, la Golf. Ça fait moderne, mais par contre, c'est pas super pratique. Il faudra quand même s'habituer, mais moi, avec mes doigts, j'ai du mal. Clairement, on a différents modes de conduite, le mode éco, le mode normal, le mode sport, et le mode individuel. Je vais pas rentrer dans le détail dans tout ça. Le plus intéressant, c'est que derrière, vous avez quand même des sièges qui sont assez confortables, malgré le fait que la suspension soit un peu plus rigide, un peu plus dure, un peu plus ferme qu'un T-Roc normal. Bon, derrière la coudoir, on a un petit rangement. Alors, c'est léger. Cette touche permettra de lever les 4 vitres en même temps. Ça, c'est plutôt pratique pour un cabriolet. Regardez. Hop. Hop. Et hop. Cette touche-là, bah, on va l'activer. Hein. Il faut rester appuyé longtemps. Et vous avez la capote, hop, qui s'active.
voilà, qui se déploie. Hop, je vais baisser la tête. 9 secondes. Voilà, capote fermée. Très bien, vous avez vu, c'est très simple, très rapide. Et ça, elle peut se fermer ou s'ouvrir jusqu'à 30 km/h. Passer les 30 km/h, il faudra ralentir pour pouvoir exécuter la manœuvre. Bon, je vous propose de passer à l'arrière. Bon, déjà, premier obstacle. Non, c'est pas la sonnerie, c'est le siège à l'avant. Regardez, il y a très peu d'espace, on va faire le tour. Hop. Voilà, voilà, c'est un petit peu juste quand même. Bon, ça va, je fais 1m77, mais c'est vrai que pour les personnes de grande taille, ça risque d'être un petit peu difficile de s'installer à l'arrière. Alors, je n'ai pas de filet anti-remous, mais sachez qu'il est possible d'avoir le filet anti-remous qui permettra finalement... Alors là, j'ai décapoté, forcément, il y a le chauffage qui s'allume automatiquement. Voilà, allez, c'est parti, ça c'est plutôt cool. Alors c'est vrai qu'en général, quand on découvre, on est plutôt au bord de la mer, avec un beau, joli ciel bleu. Là, c'est pas forcément le cas, je suis en forêt, prête Rambouillet. Et donc, la philosophie de ce cabriolet, c'est bien sûr de cruiser, de rouler pépèrement, tranquillement. Ça sert à rien de jouer les chronos avec ce genre de véhicule, c'est un véhicule plaisir. Attention, on fera pas du franchissement avec. Bon, en termes de comportement routier, les amis, là, ça se gâte un peu, hein, clairement. Petite prise de roulis, tarage des suspensions beaucoup plus ferme qu'un T-Roc classique. Et surtout, on n'a pas forcément envie de jouer les Fangio hein, au volant de ce T-Roc cabriolet. Bon, l'avantage d'un cabriolet, c'est que je peux tout de suite remettre la capote en dessous de 30 km/h. Et ça... c'est plutôt pas mal, en moins de 9 secondes, vous avez compris. Et puis, on va continuer le bilan de ce T-Roc cabriolet avec un peu plus de silence. En termes de confort, sur des routes un peu dégradées, avec les jantes 18 pouces et un châssis un peu plus renforcé, plus lourd forcément, ça va se faire ressentir à la fois sur le confort, ça va se faire ressentir aussi sur le comportement routier où bien sûr on a une prise de roulis beaucoup plus conséquente que la version du T-Roc normale. D'ailleurs, c'est pas du tout la philosophie de ce T-Roc. L'idée, hein, c'est vraiment de rouler tranquillement, clairement. En termes de consommation mixte, on est plutôt sur un joli 7 litres au 100. On peut même atteindre les 6 litres si vous avez une conduite légère et vous mettez en mode éco. La boîte de vitesse DSG7 en boîte normale, elle est un peu lente. Il faudra activer le mode sport, donc le S, sur le contour pour avoir plus de réactivité. Ça, c'est bon à savoir. Il faut savoir que la boîte DSG7 en mode normal a été homologuée pour avoir des consommations assez basses. Malgré ça, hein, ce T-Roc cabriolet n'échappe pas au malus de plus de 1000 euros. En termes d'accélération, vous avez pu voir en début de vidéo, attention, les pavés. Alors, autre point négatif, alors petit point négatif, c'est l'insonorisation. Ok, on est sur un cabriolet, donc il est vite pardonné, mais c'est vrai que sur autoroute, il faudra monter d'un cran à la radio pour pouvoir écouter, on va dire, de manière satisfaisante votre playlist préférée ou votre radio préférée. Là, je commence à augmenter un peu la vitesse. Je suis à 80 km/h et déjà, je commence à entendre un petit bruit d'air. Donc, la capote est, je trouve, assez mal insonorisée. Il y a quand même une couche d'isolation, mais peut-être pas assez par rapport à tous ces bruits d'air. Au niveau des performances, elles sont quelconques. Il s'agit quand même d'un SUV, déjà, d'une, et puis d'un cabriolet, donc de surcroît avec un ajout supplémentaire de poids pour renforcer le châssis. Voilà, les relances sont pas dingues et on attend les 5 km/h en 9,6 secondes. Le moteur hurle dans les tours, ça fait presque mal aux oreilles, donc jouez plutôt sur le couple de ce moteur. Et puis, bon, on va le voir, j'ai un joli virage. Je vais le prendre à peu près à 90 km/h, même moins. J'ai les palettes au volant, alors honnêtement, ouais. Ouais. Ouais, vous le voyez. Il y a un peu de roulis quand même beaucoup. Hein. Mais heureusement, on a des sièges qui maintiennent assez bien, donc sièges confortables. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez quand même faire de la route et des longs trajets avec. Bon les amis, on va jouer au petit point consommation. Ce sera le seul point consommation sur ce T-Roc cabriolet en version essence 150 chevaux.
Aujourd'hui, sur mon trajet du travail, je suis à peu près à 6,6 litres au 100, ce qui est plutôt, entre guillemets, pas mal. On est quand même sur un moteur de faible cylindrée, une puissance de 150 chevaux, ce qui est assez correct, et 250 Nm de couple. En parcours mixte, on est plutôt autour des 7 litres, voire 7,5 litres si vous faites que de la ville. Bon, petit rayon de braquage, bon, acceptable, hein, on est sur une voiture polyvalente et surtout urbaine, mais qui peut quand même faire des longs trajets sans problème. Hein. Alors, en termes de boîte, réactivité, zéro si vous mettez en boîte normale. En revanche, il faudra se mettre en boîte sport. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais la boîte sport va permettre de gommer ce temps de latence. Et donc, bah ça, c'est connu un peu de la boîte des G7. C'est que si vous voulez avoir plus de réactivité dans les relances, notamment sur un dépassement, je vous conseille d'activer le mode sport de la boîte. Hein, pas le mode sport de la conduite. Ouais, on est d'accord? Là, j'étais en mode normal. Voilà. Puis si vous voulez encore plus de réactivité et monter dans les tours, là, vous mettez le mode sport et là... Voilà. Bon, le bruit du 4 cylindres est vraiment peu flatteur, hein, je préfère prévenir. Bon, petite surprise, je viens de faire le plein. Alors attention, hein, le plein du réservoir fait pas 50 litres. Il doit faire 40 litres ou voire 38. Et surtout l'autonomie, finalement, belle surprise, hein, 720 km d'autonomie à partir du moment où vous consommez, vous optez plutôt pour une conduite économe. Voilà les amis, j'espère que cet essai de ce T-Roc cabriolet vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire avec bienveillance. Et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur Casse Passion. Ciao.